step up ton game puis travailler ta musique avec des professionnels. Le studio K6 est maintenant ouvert au public. Mix, mastering, enregistrement, beat sur mesure, travail vite fait, bien fait. Tu peux nous contacter à info@commercial.lesstudiosk6.com. Hey, hey, hey! Chez Crack a Star, ça fait depuis 2010, je pense que j'ai commencé à faire le format de battle d'a cappella. Yeah, Wolverine ça, Essentiel Prod, Billy Dalton LP qui s'en vient bientôt. Merci au premier hors concours de tout, c'était au Peace Park, c'était organisé par Philly, que je pense qu'il venait juste de faire le World of Arm, et puis il commençait à organiser un petit peu des événements pour les gars de la relève qui essayaient de monter. J'ai fait pas mal ma place un petit peu partout à travers le Québec, j'ai été dans pas mal toutes les ligues, toutes les villes, puis je suis vraiment heureux d'être au World of ce soir parce que ça fait longtemps que je travaille pour ça. Ben, mais je pense que les deux premières performances que j'ai données, peut-être dû à ma préparation, puis dû à la... J'avais pas écouté beaucoup de battles, puis j'étais pas vraiment au courant du game, comment ça se passait. J'ai pas donné, je pense, une performance à la hauteur de ce que je peux donner avec les habiletés que j'ai acquises au fil du temps. Ça fait plusieurs années que je fais des battles. Là, je pense que je suis prêt. J'ai fait plusieurs battles dans les autres ligues. J'ai refait mes preuves, comme on peut dire. Puis je suis vraiment content d'être là. Je suis venu faire ma job, puis c'est ça que je vais faire bientôt, là, dans quelques minutes. Je pense que le plus gros défaut d'Insa, c'est malgré le fait qu'il peut projeter comme il faut, il y a souvent des lines corny ou des affaires qui fait une line qui amène un gros setup qui déplace de l'air puis à la fin le punch ne cogne pas du tout. Et puis sa plus grosse qualité, je pense, c'est vraiment au niveau de la présence, le fait comment il peut déplacer de l'air puis pouvoir ramener le crowd avec lui puis être intimidant dans le visage de son adversaire, je pense que c'est ça qu'il peut faire. Boom, le beast effect. Crack, ça fait depuis 2 ans, on m'a le proposé à quelques reprises. Je pense qu'il a pris de l'expérience dans les derniers temps. Fait que dernièrement, j'ai été présent à ces derniers battles. J'ai été impressionné. C'est un adversaire que j'estime. Tous les adversaires contre qui je me prends, c'est des personnes que j'estime. Sinon, je perdrais pas mon temps à écrire plusieurs minutes de rap pour ces personnes-là. Donc, je suis vraiment content. Je pense que lui, ça, c'est preuve à faire parce que c'est un nouveau. Et moi, c'est plus un vétéran qui essaie de revenir dans le game. Fait que je pense qu'on a tous les deux du bon à tirer de ça. On va donner un bon spectacle. Je me sens très prêt parce que vu les expériences passées que j'ai eues, j'ai fait beaucoup d'endroits avec des plus petits, des plus gros crowds. Ce soir, c'est effectivement le plus gros crowd que j'ai performé devant. Au dernier classique, il y avait beaucoup de monde qui était sur un stage, donc ça m'a un peu mis dans l'ambiance. La dernière fois que j'ai performé au Catacombes, j'ai eu un problème de slip, une surdose de je sais pas. Ce soir, je me suis arrangé, j'ai pris des mesures pour que ça arrive pas. Fait que je suis prêt, je me sens super prêt, je sens pas trop de stress, puis je me sens prêt à rock toute la culture. C'est sûr que là, c'est plus un cypher, on est plus dans le centre, fait que mon acting game, j'ai préparé en fonction que j'allais être sur la scène. Fait que c'est sûr, c'est un atout, je pense, que je peux utiliser de par ma présence, je pense que c'est mon point fort. Fait qu'on va travailler beaucoup avec ça ce soir, essayer de faire embarquer les gens. Puis j'ai été impressionné, c'était la première fois que je rentrais dans le club soda. Je t'ai dit, j'ai vraiment hâte de commencer, là, de faire mon truc, parce que ça va être une toute autre ambiance que les autres livres auxquels j'ai participé. Puis même les premiers World Up, c'était pas du tout comme ça, là. Ça a pris de l'ampleur, j'ai vraiment hâte. Ça, j'espère que t'es prêt, j'arrive sur mon A-game, j'ai des textes de feu, je les ai bien appris, puis that's it, better be ready, Beaucoup de musique, beaucoup de battles qui s'en vient, restez à l'affût, on a plein de projets, puis ça va être intéressant pour tout le monde, je pense. C'est tout. What's happening, Philly Grand, World of Battles, on est au World of Homes, club sold out, pleine capacité, what's happening, Montréal?
c'est George Foreman. Je m'en viens boxer. Quand tu rap, le crowd dort, man. Comme un portier. Contre Rocky, mais t'es encore dans le premier match à 4. Oh! Come on! Come on! Round 2! Let's go! Vous savez ça?
K6, toutes mes bars te passent quand même 6 pieds au-dessus de la tête. Pis t'es juste une pute aux origines parce que t'as juste ton domicile pour paraître russe comme Ovechkin. Si tu considères un patriote, je vais te clouer les épaules au tapis comme dans la lutte aux Olympiques. Après, je vais dans une fourche puis je te découvre pour faire un bain comme un bûcheron de l'élite. Fait que t'as de la l'image, c'est juste des poils sur un fond rouge avec une fossée et puis un marteau qui font mourir comme le drapeau de la sortie lune aux Soviétiques. Je suis quelqu'un
fini, c'était fucking sick, je pense que ça a bien été des deux balles. J'ai eu un minor slip à mon troisième round parce que c'était une ligne que j'ai rajoutée en dernière minute. Et puis ça me fait un petit peu chier parce que la ligne était sick. En fait, je vais redire la ligne juste pour être sûr que ça passe bien. Je disais que ton vrai nom c'est Mathieu, mais je suis bon en calcul, fait que je peux déchiffrer Matt comme ça. Si t'essaies de me regarder croche, c'est ta face que je fais smack si tu Matt comme ça. T'as appris à compter comme un fucking disgrace, fait que je te punch in the face pour que tu drop sur le Matt comme ça. Parce que faire des mathématiques, c'est rendu mathématique. Fait que si Matt fait des maths, moi je te Matt Hoffa. Puis si vous connaissez pas Matt Hoffa, faites vos recherches. À part ça, honnêtement, qui a gagné, je sais pas. Quand t'es dans le vibe du battle, moi je suis en train de réfléchir à des fucking rebuttals tout le temps. Fait que d'après moi, ça va être un 2-1 pour un des deux. Faudrait rechecker, mais il a clairement pas eu de body bag, aucun bord. Insa a fucking bien performé. Insa a déjà été connu dans son passé pour faire des lines corny ou des punch weak, mais je pense que dans mon battle, il avait fucking on point. Puis la présence était là. J'ai pas abusé de flip comme je fais habituellement. Je pense que je suis resté assez calme sur ce côté-là. J'ai fait un ou deux flips, je pense, mais j'ai pas essayé de focusser là-dessus. Je voulais juste donner une belle performance parce que. Dans mon entrevue que j'ai dit avant le battle, j'ai dit qu'à mon battle précédent contre le Sam, j'ai fuck up pour une surdose. Et puis là, j'ai dit une surdose de quelque chose tantôt, puis je veux juste clarifier que ça n'a rien à voir avec la drogue. J'étais un petit peu nerveux, puis j'ai fait un main event, et puis il est arrivé quelque chose dans ma vie, que c'est mon business personnel, qui est arrivé juste avant ce battle-là, qui m'a fait un peu perdre mon focus. Fait que ce soir, j'étais arrivé fucking prêt, puis j'étais content d'être au word up, et je me suis dit fuck, j'ai pas le choix de donner. Shut up! Je dis que j'ai pas le choix de donner mon best parce que je suis aware of fuck. Fait que that's it, j'ai donné ma meilleure performance, je pense. Puis je suis prêt à revenir au next time pour Clash Again. Word up! Ben, premièrement, shout out à Classic pour le gear, shout out à Essentiel Prod, Billy Dalton LP, ça s'en vient bientôt. Je suis vraiment content du battle, ça allait au-dessus de mes attentes. Il y a eu beaucoup de réactions, je pense. Ça a bien démarré la soirée. Crack a fait une super de bonne performance, mais j'ai gagné pareil. Peace!